comment mettre les scléras. C'est parti! Avant toute chose, les enfants, il faut se laver les mains pour enlever tous les miasmes et les microbes que l'on pourrait mettre dans nos yeux. Voici mes scléras encore emballés, offerts par mon chéri d'amour. Ce sont les Cybertooth, présentés dans des petites fioles contenant du liquide pour lentilles. Une fois sortis, voilà à quoi elles ressemblent. Je vais en attraper une avec le majeur de ma main gauche, que je vais bien nettoyer avec du produit à lentilles. Ensuite, on la place sur l'index de la main droite. Et voici le moment tant redouté, placer la scléra. On va vérifier l'élasticité de ma paupière, en haut et en bas, à gauche, à droite. Avec la main gauche, on va soulever les cils de la paupière du haut, tandis qu'avec l'index de la main droite, on va placer la scléra. Tout en descendant notre paupière avec le majeur de la main droite. Oui, c'est pas hyper évident, c'est un coup de main à prendre. Pas de soucis si tu n'y arrives pas du premier coup, il faut persévérer. Voici ce que ça donne. Pour l'enlever, c'est beaucoup plus simple. On soulève la paupière du haut et du bas et on pince la scléra. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai toujours à chaque fois une petite bulle d'air sur l'escléra, donc il faut que je l'appuie dessus, que je ferme bien les yeux pour enlever la bulle d'air afin de voir clair. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais à chaque fois que je mets des scléras, c'est comme ça. Au bout d'un moment on s'habitue, mais c'est vrai que pour faire un make-up lorsqu'on voit pas grand chose, c'est pas très pratique. J'adore l'effet que ça rend sur les yeux, ça fait vraiment quelque chose d'alien, très féerique, je trouve ça super sympa. J'espère que tu as aimé cette vidéo et ces explications sur les scléras. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Partage cette vidéo pour que tout le monde sache comment mettre des scléras. Et je te fais d'énormes bisous, bye! Ça a été rapide. L'enlever c'est toujours simple, par contre la mettre, je galère toujours. Et voilà.